Benjamin, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père connu? Je sais pas, j'ai connu que ça. Ouais. Je sais pas, je pose pas trop la question. Vous faisiez pas arrêter dans la rue par les gens? Non, parfois quand il y a du monde et qu'il est un peu bourré, il fait un peu honte gentiment au restaurant, mais c'est cool quoi, c'est toujours bienveillant. C'est ouais, on rappelle, hein, ton papa c'est Laurent Baffy. Et de travailler avec lui, parce que j'ai vu que t'as bossé pas mal, notamment dans Toc Toc, que tu as joué 500 fois. Ah, 600 fois. 600 fois. Mmh. Bah, c'était cool, c'était génial, c'était une expérience de malade. Puis travailler avec lui, c'était super. On dit que c'est jamais simple de bosser en famille, pourtant. Ah non, c'est dur. Ouais. C'est quand tu fais des retours, c'est dur. Ouais. Mais il dit la vérité. Complètement. Bah, parfois on n'est pas d'accord, non, parfois on n'est pas d'accord. Mais quoi, artistiquement parlant, sur certaines choses? Non, pas là-dessus, non, sur la manière de dire les choses. Non, après, c'est. Alors, artistiquement, je l'écoute. Mm-hmm. Mais après. Est-ce que tu lui as fait lire la pièce avant de la mettre en scène? Est-ce que tu lui as demandé son avis sur l'écriture? Non, je voulais pas, je voulais qu'il la découvre. Je voulais qu'il découvre tout. Parce qu'il m'a mis le pied à l'étrier, j'ai fait deux pièces avec lui et que. Il t'a mis en scène? Ouais, et il m'a dit après, tu veux faire ce métier-là, tu te démerdes et tu fais. Et moi, je t'ai aidé, et si t'es pas capable derrière, c'est que tu dois faire autre chose. Mm-hmm. Et je pense qu'il a raison. Et ses retours ont été bons? Ouais, ses retours étaient bons, ouais. Mais après, peut-être qu'il a dit ça pour me faire plaisir, je sais pas, c'est mon père. C'est un homme très bienveillant. Ouais. Ah bah voilà. Très. Quelqu'un qui la connaît bien. Tu as une relation très proche avec ton père Benjamin, ça te plairait de jouer au théâtre avec lui sur scène? Un jour. Je sais pas, je crois que lui il aime pas trop monter sur scène, il aime pas ça. Mais pourtant, c'est un homme de scène, c'est un homme ouais, mais de il préfère écrire, il aime pas, c'est pas. Je sais pas, non, ça, je sais pas si on s'aime trop, on s'adore, c'est formidable, mais je pense qu'on s'engueulerait un peu, ouais. Mmh. Je pense qu'on s'engueulerait beaucoup. Sur scène, ouais. Mais non, tu rentres pas par là. Je pense qu'on se taperait de ouf en fait. Puis maintenant, Benjamin, comme il écrit, il met en scène, il a aussi sa façon de voir les choses. Bah, bien sûr. C'est vrai qu'avec le papa, ça peut être un peu. Ouais, c'est un peu. Après, il en a fait des pièces, donc bien sûr. Non, mais moi je prends beaucoup plus de plaisir à aller voir ses pièces en tant que spectateur et être avec lui que de retravailler avec lui. Non, j'en ai pas très envie. Pas parce que j'ai pas aimé, mais parce que. Bien sûr, et ça se comprend. Il a fait de très belles pièces. Ouais. Des gros succès. Ouais. Très gros succès. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.